Les femmes élues municipales subissent davantage de harcèlement et de violences verbales que leurs collègues masculins. C'est ce que révèle un sondage Léger qui a été commandé, dévoilé hier par l'Union des municipalités du Québec, dont les résultats sont cités dans Le Devoir aujourd'hui. Rose-Marie Charest est psychologue et conférencière. Elle a participé à la conférence hier où les données ont d'ailleurs été dévoilées. Bonjour à vous, Madame Charest. Bonjour. Regardons ensemble, justement, quelques-unes de ces données. Alors que 58 % des élus municipaux, tous genres confondus, affirment avoir vécu de la violence verbale. Chez les femmes, on le voit, ça augmente à 62 % Quand il est question d'intimidation, menace, 46 % des répondants, donc l'ensemble des élus, indiquent en avoir subi, mais c'est 53 % donc plus encore là, chez les femmes. Madame Charest, comment expliquer cet écart? Mais la première chose qu'il faut expliquer, c'est pourquoi il y a de la violence. Ensuite, oui. Pourquoi il y en a plus envers les femmes. C'est intéressant parce que je ferai le lien avec l'entrevue qui précède. Quand on est obligé de faire des comités comme ça pour contrer le harcèlement, et là, on parle dans les écoles quand c'est très jeune, et là, quand on arrive plus les citoyens à l'âge adulte, il reste de cette violence-là, et on dirait... Encore plus, parce que c'était ça dans le sondage, il disait que ça s'était aggravé dans les 5 dernières années, et plus envers les femmes. Bon, pourquoi c'est grave? Pourquoi, d'abord, c'est grave pour la victime, si on s'entend, mais c'est grave aussi ce que ça nous dit sur la société. Quand les gens sont violents, c'est qu'ils sont mal dans leur peau. Et quand ils le sont envers des gens qui ont du pouvoir, envers les élus, quel que soit leur degré de pouvoir, en général, c'est relié à un sentiment d'impuissance. Ceci dit, une fois qu'on l'a expliqué, ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter. Ouais. Alors, et moi, je crois en la démocratie, mais si et seulement si les gens sont libres d'y participer, si on en est au point où on va subir de la violence si on est un acteur démocratique, bien, évidemment, on va avoir des démissions, comme on en a vu. On va avoir des gens qui vont être heurtés personnellement, qui n'auront pas à payer ce prix-là et qui ne vont pas participer comme ils ou elles pourraient participer. Et là, quand on parle davantage de femmes... Oui, allez-y, pardonnez-moi. Pourquoi plus les femmes? De tout temps et de toutes sortes de manières, il y a une difficulté à accepter que les femmes aient du pouvoir. Donc, ça se manifeste aussi là. Le pouvoir des femmes a quelque chose de troublant. Et aussi, ce sont des victimes plus facile parce qu'on les attaque sur la vie familiale, on les attaque aussi beaucoup sur leur apparence physique. Le corps des femmes est souvent la cible d'agression physiquement, mais aussi verbalement. Verbalement, un élément du corps de la femme va être utilisé pour la blesser et donc pas que la blesser dans son rôle, mais la blesser aussi dans sa personne. Et c'est ça qui est grave. Et il y a, bon, des relations difficiles avec les citoyens, mais aussi, et même plus, selon ce que révèle ce sondage-là, avec les autres membres du conseil municipal. Vous dites, les plus jeunes en sont particulièrement affectés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre façon d'envisager, d'imaginer ce que va être la politique, c'est ça? Oui. Moi, je trouve que ça, là, c'est une bonne nouvelle. Les jeunes réagissent davantage au climat toxique. Ils vont moins le tolérer. Ils le dépensent davantage. Ils vont moins le tolérer. Ils vont moins considérer que, oh, ben, faire de la politique, c'est ça. Si t'es pas prêt à te battre, tu fais pas de la politique. Ici, oui, c'est sûr que la politique, c'est un combat. Mais il faut faire toute la différence entre être des adversaires versus être des ennemis. L'autre, c'est une personne, c'est pas un ennemi à abattre, mais c'est un adversaire. Donc, on se bat sur les idées, on se bat pas entre personnes. Et moi, je suis très contente que les jeunes soient plus clairvoyants par rapport à ça, mais mon discours hier après-midi, c'était beaucoup de dire, mettons-nous tous ensemble, quel que soit notre rôle, pour que l'atmosphère
démocratique, comme l'atmosphère dans les écoles, comme l'atmosphère de travail, soit saine et simple. Parce que moi, comme clinicienne, les gens que j'ai vus faire des burn-out, c'était moins parce qu'ils avaient travaillé fort que parce qu'ils avaient travaillé dans une atmosphère toxique. Et ça, ça vaut pour tout le monde à tous les niveaux. C'est une responsabilité partagée. On a tous un rôle à jouer pour mieux vivre dans notre société, pour mieux vivre dans notre milieu de travail, dans nos écoles, mais pour mieux vivre aussi comme politiciens, puis que nos idées enrichissent la société plutôt que servent à nous démolir ou à démolir les autres. Malheureusement, il nous reste une trentaine de secondes, Mme Charest, mais je me posais la question hier, comment les élus qui étaient avec vous réagissaient à tout ça? Mais je pense qu'il y avait une espèce de conscience, une volonté d'améliorer les choses. Quelques-uns m'ont dit, quand je suis sortie de la rencontre où j'avais pris la parole, qu'ils étaient contents de voir que je n'avais pas personnalisé les choses, mais que j'avais plus amené ça dans un processus où on est tous responsables d'apporter notre contribution pour... Parce que s'impliquer en politique, c'est quoi? C'est chercher le bien commun. Normalement, c'est ça. Bien, le bien commun entre politiciens, c'est important aussi. Merci, Rosemarie Charest, d'avoir été avec nous cet après-midi. Vraiment très apprécié. Ça me fait plaisir. Au revoir.